Galdéré. Des soldats français courageux, prêts à se sacrifier pour leur patrie. Ces hommes, c'était des héros. Mais ils n'étaient pas les seuls à combattre. Je vais vous raconter une histoire que vous ne connaissez pas. C'est pas possible. Si ils t'ont laissé t'engager, ça veut dire que ça va pas du tout, d'eh? Ils m'ont demandé de venir repousser les Allemands parce que tu es trop faible et trop vieux pour ça, Idrissa, regarde-toi. Alors tu es venu gagner la guerre tout seul, c'est ça? Si ça peut te faire du bien, va dire à ta femme que tu as aidé, non? Moi-même j'ai une femme, elle est trop jolie. Toi tu as quoi? On disait, nous sommes français. Nous sommes français. Mais une fois en France... Nous avons vu à quel point nous étions français. On va faire ça jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'on ait fini. C'est tout? C'est tout ce que l'on va faire? Écoute, les choses ici sont... différentes. À 7 ans, les Français lançaient tout ce qu'ils avaient vers un château occupé par des troupes allemandes. Et comme tout a échoué, notre jeune et ambitieux capitaine a décidé de nous porter volontaires pour s'emparer des canons anti-aériens allemands qui l'encerclent. Hey, hey! Il faut garder ton calme. Joue pas les héros. Hein? Reste en vie, petit frère. Ce que je vais vous raconter n'apparaît dans aucun livre d'histoire. Vous ne me croirez peut-être pas, mais n'oubliez jamais que ce qui est écrit n'est pas toujours vrai, et que ce qui est vrai n'est pas toujours écrit. Ils sont passés à l'attaque! Les Allemands arrivent!
face à l'immensité de la guerre. Une autre fourmi, un autre cadavre. Et pour ne pas me laisser abattre, je me disais, je suis démé, je suis un tirailleur. Et que Dieu nous aide. Des vies, de vraies vies. C'est concret, c'est réel. On sait qu'on a fait quelque chose de bien. Alors on se raccroche à cette idée et on rejoint la boucherie. Devant.
On sait que ce combat sera pas facile. Enfin, c'est ce qu'on croyait. Mais en vrai, on n'avait aucune idée de ce qui allait se passer. Laisse-le partir, petit frère. Idrissa, est-ce qu'on a gagné? Ils ont tous fui. Alors, sauf s'ils ont changé les règles du jeu. Waouh, on a gagné. On a gagné? Cessez le feu! On a gagné. On a gagné! On les a eus! On les a battus! On a gagné! On a gagné! Surveillez les arbres là. Rassemblez les armes et les munitions. Idrissa, attends. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Viens, on y va. Il faut qu'on continue là. Faut te reposer, petit frère. Tu es vivant. Peut-être ils nous donneront une médaille d'aide. Mais il faudrait prendre ces canons pour recevoir une médaille. Démé, on n'a pas de commandant. On ne peut pas avancer sans soutien. Tu en es sûr? Idrissa, tu es comme moi, allons. Allons les combattre. J'ai une famille. Des enfants. Mais regardez-vous. On a déjà fait mieux que les meilleurs soldats français. Alors je vous pose la question, de quoi d'autre sommes-nous capables? Si on avance, et si on neutralise ces canons, les livres d'histoire parleront de nous, de la reconnaissance, du respect, pour nous, pour nos enfants. Alors on va prendre ce poste, et leur montrer à tous qui nous sommes vraiment. Allons-y! 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 Thank you.
bien. On peut dire qu'ils ont adoré mon discours. Alors, on a avancé. On s'est dispersé et déployé pour atteindre les canons le plus discrètement possible. On a été séparés d'une partie de nos hommes. Je suis parti les rechercher pour qu'on puisse attaquer la batterie principale ensemble. Il doit bien y avoir quelqu'un en vie, là. Der Kommandant will nicht, dass wir viele Löhre gefangen nehmen. Das sollen wir anders regeln. Unser Randy! Was machen wir mit dem Kerl? Nichts Brauchbares zum Finden, Mann. Alles Mist. Du kennst seine Befehle. Erschieß ihn einfach. Mon Dieu! Irgendwas muss in seinem Kopf kaputt sein. Repose en paix, mon frère. Ja, der ist ein richtiger Spinner. Les Allemands ne pourront plus communiquer entre eux. Ils sont tous morts. J'arrive trop tard. On ne peut jamais s'enlever cette pensée de l'esprit. Ils ont placé un barrage. Faut pas que je me fasse remarquer par ces patrouilles. Der Kommandant will nicht, dass wir viele Löhre gefangen nehmen. Das sollen wir anders regeln. Les Allemands ne pourront plus communiquer entre eux. Ça m'étonnerait qu'il y ait des survivants ici. Madame, weg! Da drüben sind sie! Er ist am Boden!
s'accroche à ses petites victoires. Car le combat est sans fin. Et il faut aller de l'avant. Allez! Allez! Allez, les pouces! Allez! Vous ne vous laissez pas dépasser! Idrissa! Te voilà! Je savais que tu t'en sortirais! Regarde ça! C'est ça que tu voulais, hein? Je t'avais dit qu'on ne devait pas avancer sans soutien! Mais on a gagné! Les Allemands prennent la fuite! Ne vous approchez pas, espèce de Schweinhund! On n'avait pas gagné. On n'a pas part en retraite. Vous allez crever. Vous êtes cernés. On va contre-attaquer et vous écraser. Personne ne saura jamais que vous étiez là. On va mourir. Ma femme, mes enfants. On va mourir. Regarde ses yeux. Tu veux vraiment que ce soit lui qui gagne? Il nous déteste parce qu'il pense qu'on est inférieur. Si on recule maintenant, tous ces hommes seront morts pour rien. Attends. Il pense qu'on va rester là, ou bien battre en retraite. Le plus gros de leurs forces se trouve dans les bois, donc... Quel est le dernier endroit où ils s'attendent à nous voir? Thank you.
du château. Mais tu es fou, quoi? Les Français n'arrivent pas à battre ces fâches, Miag, ni même à s'approcher de leur QG. Mais c'est toi qui vas prendre le château tout seul. Imagine leur tête si on arrivait à se faufiler par arrière et qu'on le capture. Ce sera quelque chose à raconter à nos enfants, Idrissa. Surtout toi qui es très vieux maintenant. À leurs yeux, on passera pour des rois. Tiens, petit frère. Ça me plaît bien ce que tu dis là. Des émetteurs radio là-bas et des canons de campagne sur cette colline. Ça va être un sacré boulot de tout saboter. Démé, prends ce lance-fusée. Tire avec pour nous dire d'attaquer. Quand on verra ta fusée, on passera à l'attaque quoi qu'il arrive. On t'a fait confiance. On t'a confié nos vies, Démé. Sans pitié. Une fois dedans, il n'y a que deux solutions. La mort ou la survie. C'est parti. Fini la discrétion. J'espère qu'on s'en sortira. Ce canon n'est pas prêt de tirer maintenant. Ça bouge là-bas! Ah!
J'y vais. C'est parti. On doit se débarrasser de ces canons. Bouge pas! Poussez plus fort! Écoutez-moi! Poussez-toi! Contrairement à eux, on n'avait pas d'armes de pointe et on s'était pas entraîné pendant des années. Mais on avait la volonté de gagner quel que soit le prix. Et la victoire nous a coûté cher, en sang, en sacrifice et en vie humaine. Tenez!
Idrissa! Oh mon Dieu! Idrissa! Réveille-moi! Idrissa! Regarde, Idrissa. Nous sommes des rois. Nous sommes fiers de vous et de ce que vous avez accompli. Merci, mon commandant. Faisons une photo pour la postérité. L'armée française a libéré Paris, ils ont retiré tous les soldats noirs. Ils les ont remplacés par des visages plus familiers. Mais moi, je sais ce qu'on a fait et à quel prix. Et j'en suis fier.